Aujourd'hui, je vais m'adresser à votre système nerveux central, c'est-à-dire à votre cerveau. Mais dans ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement à votre système nerveux périphérique, c'est-à-dire à vos nerfs. Et j'ai de quoi faire, parce que vous en avez plus de 150 000 km, soit plus de 3 fois le tour de la Terre. Les nerfs sont composés en partie de cellules que vous connaissez bien, les neurones, les mêmes cellules qui vous permettent de réfléchir. Les neurones sont composés d'une tête et d'un long filament que l'on appelle axone. Et tout au long de cet axone sont placés des petits morceaux de gaine que l'on appelle la myéline. La myéline permet aux informations de circuler entre votre cerveau et les différentes parties de votre corps. Par exemple, c'est grâce à la myéline que votre cerveau pourra dire à votre jambe de bouger et que votre pied pourra dire à votre cerveau que le sol est dur. Certaines maladies comme le diabète, mais aussi certains traitements comme les chimiothérapies, viennent attaquer et détruire la gaine de myéline. Et s'il n'y a plus de myéline, la communication entre le cerveau et les différentes parties du corps est réduite, voire totalement coupée. Pour essayer de comprendre tout ça, bien sûr, je ne vais pas aller fouiller dans vos nerfs. J'ai fabriqué un petit dispositif qui permet de recréer un semblant de nerf. Ce dispositif est constitué d'une petite cuve dans laquelle je viens déposer des neurones embryonnaires. Au début de mon expérience, ces neurones sont tellement bébés qu'il y a juste la tête. Il n'y a pas encore d'axone, vous savez, ce long filament. Pour les faire grandir et les rendre forts, je vais les nourrir. De l'eau, du sucre et quelques nutriments, et en quelques jours à peine, les axones apparaissent. Le problème, c'est que si je les laisse faire, ils grandissent dans tous les sens, impossible d'y voir quelque chose. J'ai donc installé des micro-canaux tout autour de ma cuve. Et à l'aide d'un léger courant, créé par le liquide qui sert à les nourrir, les axones sont entraînés, traversent les micro-canaux pour arriver dans d'autres petites cuves. Je me retrouve donc avec des axones, sagement rangés, les uns à côté des autres, dans des micro-canaux. Et au bout de quelques semaines, quand ils sont suffisamment grands, je peux observer la formation de la gaine de myéline, que je viens ensuite détruire. Je viens ainsi mimer les effets du diabète et des chimiothérapies sur la myéline pour essayer de comprendre leurs différentes techniques d'attaque. Mais je ne vais pas laisser ces pauvres axones comme ça. Avec mon dispositif, je peux tester jusqu'à 6 médicaments en même temps pour soigner et reconstruire la gaine autour des axones. Et ainsi permettre à la communication entre le cerveau et les différentes parties du corps d'être rétablie. D'ailleurs, j'espère que les neurones de votre cerveau m'ont bien suivi et qu'ils passeront le message à vos mains de m'applaudir.